Bamar en live, on est avec Oscar qui bosse chez Funcom éditeur. Il est basé à Oslo en Norvège. Et il bosse sur un nouveau jeu de Lego, le jeu des mini-figurines. Alors c'est vrai qu'on est habitué au Lego, notamment de tous les jeux qui sont développés dans les univers d'Indiana Jones, de Batman, de Marvel, etc. Notamment chez Warner. On connaît également les jeux de Lego qui sont sortis sur Wii U, Nintendo 3DS. Qu'est-ce que ce nouveau jeu de Lego ? Lego Minifigures est un jeu d'action-aventure massivement multijoueur. Vous pouvez jouer avec vos mini-figures et partir à l'aventure avec eux, combattre des monstres, accomplir des quêtes et des missions. Vous pourrez aussi collectionner tous les Lego mini-figures et les améliorer. C'est un jeu classique dans sa conception, mais utilisé évidemment avec des mini-figures. Donc c'est un jeu exclusivement en ligne. Est-ce que chaque personnage n'incarne qu'une minifigure, et comment on l'a choisi, comment on la customise? Lego Minifigures est un jeu uniquement online, c'est un MMO. Vous pouvez jouer en ligne avec tous vos amis, vous pouvez aussi collectionner toutes les minifigures. Il y en aura près de 100 à la sortie du jeu, et d'autres viendront les rejoindre ensuite. Vous pourrez ainsi jouer avec tous ceux que vous aurez collectionnés. Durant les combats, vous pourrez en choisir 3 avec lesquels vous pouvez jouer à n'importe quel moment sur le champ de bataille et passer de l'un à l'autre sans problème. Mais lorsqu'un combat est terminé, vous pouvez reconfigurer votre équipe de guerriers. Il y aura aussi des accessoires personnalisables pour toutes les minifigures. Combien de joueurs simultanément dans ce MMO ? C'est un MMO, alors on a fait ce que vous attendez des autres MMO. Il y a plein d'endroits que vous pouvez atteindre librement et où vous retrouverez d'autres joueurs. Ces zones ne seront d'ailleurs pas limitées. Vous pourrez y retrouver des donjons, dont certains vous offriront plus d'expérience si vous les affrontez à 4 joueurs, mais vous pourrez aussi les affronter à 2 ou à 3 joueurs. La difficulté se mettra automatiquement au niveau en fonction du nombre de joueurs dans le donjon. A l'air intéressant, hein. Alors on a envie de savoir quand ça sort, sur quelle plateforme et quel est le modèle économique. Est-ce que c'est par exemple un free-to-play? Le jeu sortira dans la seconde moitié de 2014 et il sera disponible sur PC, que ce soit via notre client ou sur navigateur, mais aussi sur tablette iOS et Android. Pour ce qui est du modèle économique, on ne veut pas trop en parler pour le moment, mais ce sera un free-to-play. On donnera plus d'infos en temps voulu. Super, eh ben j'ai envie de dire merci Oscar. Comment on dit merci en norvégien? Tak, tusen tak. Super. Thank you. Thank you very much.